Ce que je remarque dans ce que les gens me soumettent, c'est l'importance des deux éléments que je soulève avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant même qu'on commence à regarder quel est le mode qu'on utilise, quelle est l'ouverture qu'on utilise, quels sont les ISO qu'on doit privilégier, avant même de regarder tout ça, la première chose qu'on fait lorsqu'on prend notre appareil et qu'on le porte à notre œil, ou encore qu'on utilise l'écran arrière, ou encore qu'on utilise donc notre téléphone cellulaire et puis qu'on veut prendre une photo, la première chose qu'on fait, c'est le choix du cadrage. Le deuxième élément qu'on fait en même temps, c'est de créer la composition pour notre photo. Si vous voulez amener vos photos et vos vidéos à un autre niveau, le choix du cadrage et le choix de la composition sont les éléments les plus fondamentaux et les plus cruciaux.